regard a changé, c'est quand j'ai mis le premier H sur la porte. J'avais 11 ans. Je me suis dit, quand même, je les aime pas. Pour moi, c'est des traîtres. Ils étaient avec les Français ou une autre, parce que moi, j'ai perdu des... J'ai perdu des gens dans ma famille qui sont morts. On a eu des filles qui ont été prises par les soldats français, parce qu'elles étaient jolies, elles avaient 15, 16 ans, 17 ans. Il y en a une qu'on n'a jamais revue, ils les allaient les violer dans les montagnes. J'ai eu du côté de ma mère, une maison qui sont fait tuer, mon grand-père qui a été assassiné. Donc on les aimait pas, les harkis, parce qu'on savait que les Français étaient les nôtres, mais parmi eux, il y avait les harkis. Je les détestais, moi. Et ce H, moi, le gamin de 11 ans qui va à Nanterre, il prend son cartable, et puis il court vers l'école, et il traverse son bidonville, voit un H sur la porte d'un harki. Et ça, c'est... dans ma tête, lui, c'est méchant, les gens qui ont fait ça.